Loubi, reviens parmi nous. Nous avons perdu une petite Loubi. Allez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un flan. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un flan? 100 cl de lait. 1 litre de lait. Le sachet pour la préparation du flan. Et le caramel. Et le caramel. Alors, par quoi on va commencer? On va ouvrir le sachet pour faire le flan. Et après, ça va être attends. Ah bon? Oh non, il est pas ouvert, faut que je le louvre. Oh, fais attention, c'est de la poudre. Nous allons ouvrir le sachet pour faire le flan que nous allons mettre directement dans la casserole. Moi, je vais le mettre. Ouais, si tu veux. Ça. Alors, ça, non, c'est pas maintenant. C'est après. Après le flan, je vais faire. C'est après avoir fait le flan, préparé le flan. Je mets tout en même temps. Eh bien, tu feras le flan, chérie. D'accord? Là, vas-y. Non, ne touche pas. Tu mets tout dedans. Toi, tu feras le caramel. C'est bien, moi, de la poudre. Ensuite. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça sent bon. Oui, ça, je suis sûre que ça. Ça sent. Ça sent la vanille. Ouais. Donne-moi le carton de flan, s'il te plaît. Ça sent du chocolat. Hop. Il faut donc que tu ajoutes 1 litre de lait et il faut mélanger jusqu'à que ça se dissout bien. Je vais te chercher. Tu mets tout en même temps. Oui, mais Loubi, tu vas aller chercher une cuillère, une grande cuillère, et tu vas remuer en même temps. Chacune votre tour. Non, tu n'y arrives pas, tu veux que je t'aide à l'ouvrir? C'est ça, super. Hop. Attends, non, là, c'est bon, il n'y en a plus dedans. Je vais peut-être un petit peu verser. Voilà, oh, c'est pour ça. Remue. Ouais, remue. Remue le pire même pas. Oh là là. Doucement. Voilà, vas-y, vas-y. Oh pardon, excuse-moi, j'avais pas vu tomber sur les doigts. Tu peux mélanger? Oh, regarde ce que ça fait. Après, je mélange. Chacune va tourner doucement. Oh, ça fait des bulles là-dedans. Ça fait des petites bulles? Ah, il y a des grosses bulles. Tu peux manger, c'est bon? Ouais, c'est bon. Encore? Allez. Je mets le litre de lait entier. Ouais, il faut mettre 1 litre de lait, donc ça fait une brique. Il y en a plus de c'est d'autres, hein? Si, j'en mets encore du lait. On n'est plus dans la brique. Là, j'en ai encore. J'en ai encore, déjà. Doucement, parce que c'est très liquide. Ensuite, il va falloir que nous allions le faire chauffer en remuant tout le temps. C'est bon? Alors, doucement. C'est bon? Attention, la cuillère va tomber dedans. Oui, c'est bon. Mais il va falloir maintenant... Il va falloir maintenant le mettre sur le feu, à feu doux. Et tout le temps remuer jusqu'à ce que la préparation soit en ébullition. Et à ce moment-là, il faudra éteindre et mettre le caramel dans le récipient suivi de la préparation du flan. Nous voilà installés à la cuisinière. Alia est en train de remuer à feu doux la préparation du flan. Il faut tout le temps remuer. Il ne faut pas arrêter jusqu'à temps que ce soit porté à ébullition. Alors Alia, ça se passe bien? Ouais, pour faire du flan, des gâteaux aussi. Ça va être un bonbon. Ça va être un bonbon? Non, j'ai dit ça va être drôlement bon. Ça va être drôlement bon. Ça me gratte pas. Doucement, doucement. Non, non, stop, stop, stop. Doucement. Pas plus doucement. T'as pas besoin d'aller fort.
tu dis ça. Ne restez jamais seul près de la gazinière sans papa ou maman. Il faut toujours être accompagné d'un adulte. Ouais. Vas-y. Vas-y. Oui, tu veux essayer un petit peu? Laisse ta place à ta soeur, chérie. Je prends la relève en attendant que Loubi arrive pour remuer. Attention, attention, Loubi, c'est dangereux. Tu tiens que la cuillère, tu ne touches pas à la casserole. Doucement, Loubi, doucement. Il faut vraiment aller doucement. Oui, oui. Vas-y, continue. Doucement, Loubi, doucement, doucement. Doucement. Parce que là... Qui c'est qui aime le flan parmi vous? Moi. Ouais. Toutes les deux, vous aimez le flan? Fais voir, Loubi. Tu veux que je t'aide un petit peu? J'aille un petit peu... Voilà, voilà, donc nous avons fini de faire la préparation du flan. Le flan est monté à ébullition. Maintenant, Loubi va mettre le caramel dans le plat. Allez, Loubi, mets-nous le caramel dans le plat. Vas-y, tout doucement. Attention. Voilà, tourne-le. Voilà, super. Il faut mettre partout, partout, partout. Même là. Tu peux pas le faire? Non. Non, moi, je suis courageuse. En fait, le caramel, ça colle. Ah oui, ça colle. Savez-vous avec quoi les filles ont fait du caramel? Qu'est-ce qu'il faut pour faire du caramel? Un flan. Non. C'est juste en fait le caramel. Tu mets du sucre avec un petit peu d'eau dans une casserole. Mmh. Et tu fais chauffer le sucre. Et le sucre, à force de chauffer, va se transformer, comme par magie, en caramel. Le caramel est bien enduit dans le plat. Maintenant, nous allons rajouter la préparation du flan. Ça va être délicieux après. Loubi, reviens parmi nous. Nous avons perdu une petite Loubi. Allez. Je vais ensuite mettre la préparation du flan dans le plat. La casserole est très chaude, donc c'est moi qui vais renverser la préparation dans le plat. Quand même, Alia, pousse-toi, parce qu'on ne sait jamais. Je préfère que tu te décales. Mais il n'y en a pas assez. Parce que c'est très, très chaud. Il faut faire très, très, très attention. Il n'y en a pas assez. Mais si, regarde, il y en aura juste assez pour remplir le plat. Tout. Et voilà. Ne touchez pas. Oui, ça fait. T'as vu? Voilà, voilà. Surtout ne touchez pas. C'est très, très, très chaud. Voilà un beau petit flan. Maintenant, il va falloir. Les filles. Il va falloir le mettre au réfrigérateur pour qu'il se solidifie. Et nous le mangerons. Le flan. Le bon flan. Allez, on va le mettre dans le frigo. Pendant 3-4 heures. Je peux le faire. Non, c'est trop chaud. Oui. Voilà, voilà. Le flan est terminé. Nous allons le démouler, le mettre dans l'assiette et le déguster. Non, ça se mange pas. Moi, je vais faire des guilis. Faire des guilis. Attention.
Abracadabra. Attends. Nous rencontrons un problème. Un problème de démoulage. Et la pas envie. Attends, laisse. Allez, on a mis plein de carpets partout. Nous avons démoulé le flanc. Et ça, j'ai glé partout. Jusqu'à la machine à laver. Et voilà, un beau petit flanc qui glisse maintenant. Voilà, attention, ça glisse. Vous goûtez les filles pour me dire ce que vous en pensez? Oh non, il y en a tout. On en a mis partout. Non mais goûte. Oh non, on détruit. Regardez les crasses. Non mais il faut pas l'écraser, il faut que tu le manges. Je sais même pas si tu vas arriver de manger parce qu'il veut pas se faire manger. Allez, maintenant vous mettez un petit peu de décoration. Pas trop, doucement, un peu pour. Allez, non, les autres aussi ça veut pas. Non, ils veulent pas se faire manger ce soir. Attends, t'inquiète. Ah non, mais c'est que c'est. Ouais, c'est que c'est trop gros. Attends, je fais plus le petit. Hein. Vas-y. Ah. Oui, attends. T'as un petit... Vas-y, décore-le, chérie. Mais attends, on va manger. J'ai pas mis toutes les décorations, il faut que je mette tout. Mais non, mais pas trop, parce qu'après, ce sera un mangeable. Un mangeable. Et ça. Allez. C'est du brillant, je vais mettre un petit peu. Oh, attends. On peut manger des diamants. Mais tiens, et des cœurs, maman, j'en ai pas mis. Voilà. On met des petits diamants. Des cœurs. Des petits cœurs. Voilà. C'est pas n'importe quel flan. C'est un flan de princesse. Et voilà, nous avons fini notre flan de princesse. Ouh là là, j'y glisse. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette recette de flan vous a plu. Est-ce que vous avez aimé, vous les filles, cette recette qu'on a fait? Ouais. Bon, c'était une super recette avec des super décorations et nous l'avons appelée le flan des princesses. Merci à tous. C'est nous qui l'avons préparé. Sayonara. Mettez des pouces bleus et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.